Vous donne rendez-vous pour un spectacle où tous les enfants participent en exclusivité dans votre ville, Guignol et tous ses amis. Vous manquez les zéros. Les zéros sont faits et finis. Surtout que le marché, ça excite un peu les femmes. Plus que les hommes. Oui, oui. On n'a pas les mêmes excitations. Tous les deux. Du médicament, mais parce qu'ils sont en vacances, l'arrêt, parce que ça les fait. Quelqu'un qui a du mal à parler, ça suffit à faire évoquer un AVC. Il ne faut pas tarder à appeler le SAMU parce que c'est une urgence. Nous, médecins, depuis quelques années maintenant, on a des traitements très efficaces pour déboucher les artères du cerveau, mais on peut le faire dans les toutes premières heures. Plus le temps passe, plus le cerveau s'abîme et moins on a de chances d'améliorer l'état du patient. Ça va, il est petit. Passer combien de temps d'accord? 8 journées du samedi, on passe. Tous les deux clairs? Ouais, je suis habitué. Quand j'ai fait un malaise au travail, Ben voilà, on est sur l'île d'Oléron, à Saint-Trojan et à Château d'Oléron. C'est le premier jour d'une action de prévention un peu originale, puisqu'on fait un tour des plages. Demain, aux eaux de la Palmyre, et puis après, Soulac, Montalivet, Le Porge, Le Cap Ferré, Arcachon, Biscarros, Mimizan, Vieux-Boucaud, Biarritz et Saint-Jean-de-Luz, qui sera dans 12 jours le dernier jour de notre action. Et on a souhaité venir sur les plages où justement les personnes, on a pu le vérifier puisque c'est la deuxième édition, sont plus réceptives à certains messages, et en l'occurrence quand ce sont des messages joyeux qui les invitent à prendre soin d'eux. De personnes qui ont fait un AVC en fait. On est trois personnes du bureau là qui ont fait des AVC. Mm-hmm. Et comme on s'en est sorti plutôt bien, on a juste des séquelles cognitives mais qui se voient pas trop. Apparemment, non. Non, ça va. 80% des personnes qui font un AVC font de l'hypertension. Après, la deuxième cause, c'est l'arythmie cardiaque. C'est-à-dire quand le cœur bat irrégulièrement. Parce que quand il a une baisse de régime, il peut y avoir des dépôts qui se mettent dans le cœur. Cette année, sur le tour 2 des plages, donc le tour 2018 des plages de Nouvelle-Aquitaine,
qui est financé par l'ARS et la CNM. On offre des sacs avec un stylo, de la documentation, un flyer à l'intérieur. Et la petite nouveauté cette année, c'est qu'à chaque fois qu'une personne se prépare en attention, on lui offre un podomètre. Comme ça, elle accroche ça à la ceinture ou quelque part sur le vêtement. Ouais. Elle le branche le matin, ça compte tous les pas qu'on fait dans la journée. Ah, super ça, voilà. Parce qu'on dit qu'il faut faire un certain nombre de pas par jour. On faut faire 10 000 minimum par jour. Et ça, ça le compte. Et ça, ça compte les pas. Ma grand-mère, ça fait 3 ans, elle a fait 2 AVC, ça fait 3 ans qu'elle est en EHPAD. Et l'AVC s'est produit, mon grand-père n'a pas capté tout de suite, n'a pas suivi sur le coup de quoi faire. Donc a appelé le SAMU directement parce qu'il a eu peur. J'ai vu en fait ça et je me suis toujours dit qu'il fallait que je voie un peu pour m'attention, des choses comme ça, parce que je connaissais pas, donc je préfère au moins vérifier et voir tout ça en fait. Et comme ça, ça permet de faire en même temps, de prévenir et de savoir un peu comment on se comporte. Donc c'est beaucoup mieux. Ça fait mal, j'espère. Non. Je sais rien du tout. Moi, les piqûres, ça me fait rien. C'est rare que je donne un homme, ça. Tu laisses mettre ça sur le d'accord. Oh, c'est un bon début. Vous êtes abonné à vous, c'est une petite piqûre en soi. 0,82. Et alors? Top. Très bien. C'est vrai? Bonne tension. Mais qu'est-ce qui se passe? Il faudrait avoir le plaisir. Faites ma femme là, faites. Il faut revenir. Oh la vache. Il faut revenir pour les stop. Non mais parce qu'on habite la Gironde, c'est pour ça aussi. Vous allez bien. Un petit blanc. Petit verre de blanc. Ça m'a foutu les boules tout à l'heure. Là c'est gratuit et il perd pas de poids. De Montalivet, on a fait 65 km, dont une partie sous la pluie. Il a fallu que je m'arrête à acheter un blouson. Il faisait froid, il y avait du vent. Tout va bien. C'est les mêmes. L'AVC, ça atteint une artère au niveau du cerveau, le cœur, ça atteint une artère du cœur. Ah, les gens sont très agréables et ils apprécient la présence ici. En fait, ils s'intéressent à ce qu'on leur, aux informations qu'on leur donne et posent des questions. Ils sont assez intéressés, du coup, oui. Faut faire attention aux... Alors oui, généralement, ils sont assez preneurs de prendre l'attention. Ils aiment bien qu'on, ça leur permet de contrôler. Ils sont là. Ils le font de façon très volontaire, on va dire, et intéressée. Mais je sais de faire attention. Mais je suis hypochondriaque.
Non, ça se voit ça, pas. Ça se voit pas du tout. C'est ce que... Bon, c'est un petit cadeau. Oh, vous êtes adorable. Je sais. Oh. Ouais, je vais envoyer mon ami. Vous savez pas où venir. Vous, ouais. Oh, je vous aurais bien proposé de venir. Bon, un café, si vous voulez. À tout à l'heure. Vous voudrez boire un café? Avec plaisir. Ok, mais vous je vous adorable. Invite. De sa santé. Est-ce que vous voulez qu'on valide qu'elle est apte pour le service? La journée d'hier a été arme. On a fait 95 km en vélo, plus la journée. Et là, depuis 10h ce matin, c'est hard. Le nombre de gens que l'on voit là, c'est juste un peu calme depuis 5 minutes. Ça n'arrêtait pas. On avait 20 personnes sur le stand en permanence. Il nous raconte toujours une petite anecdote du beau-père ou autre qui ont fait un AVC ou quelqu'un qu'ils connaissent. Donc plutôt bien, plutôt sensibilisé, plutôt curieux et content quand ils ont une bonne tension. Ah bah maintenant je marche droit. Avant l'équilibre ça me posait c'est des ça. Problèmes. On sait qu'il y a 20 millions de personnes en France qui font de l'hypertension artérielle et qu'il y en a deux tiers qui ne le savent pas. On se dit qu'on a été utile d'aller voir les gens où ils sont, sur les marchés, dans les places de village, justement pour les sensibiliser. Mais le fait d'être attractif, c'est inattendu de retrouver un stand de prévention où on propose aux gens de contrôler leur tension artérielle, leur glycémie, on leur fait des cadeaux, on va directement sur la plage pour ceux qui n'osent pas venir nous voir, on leur porte des sacs, on leur offre des bouteilles d'eau, mais on n'oublie pas les plaquettes de prévention sur lesquelles il y a les facteurs de risque et les symptômes d'un AVC.
avec assistance. On fait les prises de tension. 17. Ouais, mais c'est vrai. 10-2. Mais d'habitude, j'ai ça. 10. Ouais. 2, oui. Et là, j'ai 10, 7. Oui. Donc, je viens jouer le jeu, il n'y a pas de souci. Jouer le jeu, alors, ouais. Asseyez-vous. Vous avez entendu, qu'est-ce que vous disiez? Non, je disais que j'écoutais France Radio Bleu de 7h du matin jusqu'à 23h. Je cherche M. Ménard. C'est moi. C'est vous, je suis le docteur Elie. Bonjour. Ah, bonjour. Vous allez bien? Les mois d'été sont un peu redoutés sur la côte basque parce que la population de notre secteur sanitaire est multipliée par un facteur 3 ou un facteur 4, ce qui évidemment multiplie aussi le risque d'urgence cérébrovasculaire. Une fois la phase aiguë passée, il faut s'occuper de leur permettre de rejoindre leur région d'origine dans les meilleures conditions possibles et avec une prise en charge la plus spécialisée possible, notamment une rééducation, ce qui fait qu'on est en rapport avec l'ensemble de nos collègues de l'Hexagone depuis déjà longtemps et qu'on a créé un réseau évidemment pour qu'ils puissent accueillir les patients qui ont malheureusement été victimes d'accidents vasculaires lors de leur passage sur la côte basque. Pourquoi on s'est arrêté? En fait, à la base, c'est mon collègue qui s'est arrêté et parce qu'il faut être concerné. Voilà, pour cette phrase, tous concernés. De la fin, c'est que même si ça sent l'écurie, puisqu'on rentre à la maison, ça sent très fort l'édition numéro 3. Donc l'année prochaine. Doobie 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 doobie.